Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a procédé à l'ouverture du séminaire sur les dangers des réseaux sociaux au sein de l'administration militaire. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle des réunions de l'état-major général au camp Kokolo. Dans son mot d'ouverture, le général d'armée Mbala Moussense a souligné l'importance de ces présentes assises de 4 jours qui auront à déterminer les voies et moyens pour une utilisation à bon escient du numérique dans l'administration militaire et comment traquer les ennemis de la République au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Messieurs, mesdames les officiers supérieurs et subalternes, point de besoin de nous rappeler jusqu'à ce jour, l'on assiste à des scènes désolantes à travers les réseaux sociaux où les secrets militaires et la politique de défense des forces armées de la République démocratique du Congo sont mis à mal et cela ternit totalement l'image de notre armée. Comme je l'ai souligné dans mes précédentes correspondances, aucune armée au monde, moins encore en Afrique, n'étale ses stratégies à la place publique. C'est pourquoi j'ai décidé, au regard de cet état de choses, la convocation de ce séminaire qui durera 4 jours, soit du 14 février au 17 février, et aura pour but rendre numérique l'administration militaire en vue d'éviter le transport des documents des mains en main. 2. Faciliter l'accessibilité à l'Internet à haut débit dans chaque état-major et structure forces armées de la République démocratique du Congo pour plus de célérité et la rapidité dans le traitement des documents. Mettre en place l'intelligence militaire en vue de déceler les ennemis de la République réfugiés au sein des FAPC. Traquer et traduire en justice les coupables qui s'éventueront par des actes de violation des consignes. Accentuer la sensibilisation sur les avantages et les désavantages des réseaux sociaux au sein de l'administration. Ainsi, j'attends de vous, à la fin de ces travaux, des résolutions qui seront portées à l'autorité du ministre de la Défense pour des solutions pratiques et concrètes dans ces secteurs. Si donc, je déclare ouvert de ces travaux et je vous remercie. Aussitôt après, 3 intervenants se sont succédés pour développer des contenus ayant trait à l'informatique et à la numérisation de l'administration militaire. Le général Doukou François, chef du département sécurité extérieure à l'état-major renseignement, est revenu sur les comment traquer les utilisateurs des forces en nom des forces armées de la République démocratique du Congo et des instigateurs qui propagent et divulguent les documents militaires sur les réseaux sociaux. Quant au colonel Kikoufi Janvier, chef des divisions techniques de la direction informatique, et Mbouyou Fabrice, chef des départements administration à l'état-major administration, ont respectivement développé sur l'informatique et le numérique. Plusieurs officiers généraux, supérieurs et subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo y prennent part. La paix étant revenue dans une bonne partie de cette région d'Irumu, place à la reconstruction de certaines infrastructures détruites par les forces négatives avant la proclamation de l'état de siège sur financement de l'administration militaire. Les travaux de construction du bureau administratif du territoire d'Irumu et la résidence de l'administration du territoire et ses assistants sont très avancés à la grande satisfaction de la population. Il en est de même de la tribune moderne des commandants, une promesse faite par le gouverneur militaire, aujourd'hui réalisée, de quoi régir le secrétaire administratif de la chefferie de Basili, faisant fonction de son chef. Les travaux de la construction de notre tribune ici, ça évolue très bien. Tel que vous-même vous avez vu, nous sommes vers les travaux de finissage. Vraiment, c'est appréciable. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la Province, Johnny Kachama, avait promis à la population de Komanda qu'il va construire une tribune moderne. Nous sommes en train de vivre
La tribune est déjà là. On a pris des commentaires à faire. Ça, vraiment, c'était 6 heures de joie pour la population des commandes et de la chefferie de Basile d'une manière générale. Des travaux réalisés par la société Mogabaon réaffirment son engagement à accompagner les actions de développement entreprises par le gouvernement militaire de l'Ituri. Mis à part la société Mogabaon, la société Maïcha Niyamungu est également à pied d'œuvre. C'est le tronçon Bunyamaagi de la RN27 grâce au financement du gouvernement militaire de l'Ituri. Tous les avantages liés à l'exploitation minière en Ituri doivent contribuer au développement de l'Ituri. Voilà ce qui justifie la présence d'une délégation du Fonds minier pour les générations futures en Ituri dans une mission d'évaluation. Récit en audience ce vendredi par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachamadjouni, son administrateur, le sénateur Mondole Esso Libanza, appelle la population iturienne à cultiver la paix. Le président de la République a mis en place une équipe pour mobiliser et gérer ce fonds. Voilà pourquoi nous sommes de cette équipe et nous avons entrepris à circuler à travers toutes les provinces minières pour faire des états des lieux. Le ministre de l'Ituri n'est pas distrait. Notre intérêt n'est pas dans le conflit. Notre intérêt est dans l'harmonie, dans l'unité et dans la paix. C'est parce que dans l'unité, dans l'harmonie, dans la paix, nous sommes forts et nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Une mission qui arrive à point nommé pour assainir ces secteurs émaillés de beaucoup d'irrégularités au détriment du trésor public, a estimé les gouverneurs militaires. Signé donc au cours de son séjour à Bounia, la délégation prévoit rencontrer les opérateurs économiques du secteur minier, mais aussi procéder au recouvrement des dûs liés à ces services. C'est sous une pluie fine que les éléments de la garde républicaine ont, à l'aube de ce samedi 12 février 2022, effectué leur marche d'endurance à travers les principales artères de la ville de Kinshasa. Parmi eux, des officiers généraux, supérieurs, subalternes, des sous-officiers, ainsi que les gradés et soldats équipés en armes d'assaut et matériel de combat ont arpenté les pavés pendant 5 heures, diront pour cet exercice de routine. Cette marche pédestre organisée par l'état-major de la garde républicaine s'est déroulée au même moment sur 3 itinéraires. La première colonne est partie de l'échangeur de Limété jusqu'au camp adjudant chef Liao. La deuxième et la troisième sont partis de l'échangeur de Limété de la gare centrale jusqu'au camp colonel Tchatch. Ils ont pris pendant leur parcours respectivement le boulevard Triomphal, la commune de Bandalungwa et la commune de Lingwala. Une parade a sanctionné cette marche au cours de laquelle le commandant de la garde républicaine, le général-major Tuo Echongesha, Christian, en a en profité pour sensibiliser les unités de ses corps d'élite spéciales sur leurs devoirs et obligations. Askari! Brava! Askari! Brava! Morale! Duro! Morale! Duro! Morale! Duro! La paix bino longonya parce que to sali pratiquement 5 heures de marche. Longonya po na bino nyonso parce que botamboli pe bola kisi ke bozami bal. Yali boso d'abord la lingina pesa bino. Oyeza, félicitations à la commandant suprême, président Nabisso, Félix Antoine Tshisekedi. Yende a permettra qu'il y ait un seco, Bissonion soto tambola lelo. Pe a cause la na esengo, parce que Binonion soto tamboli, moutoumo kote a tikali na balabara. Na ambiance yaba soda, même ba journaliste moussous soto tamboli ensemble Nabisso. Kobanda point A jusqu'au point Z. Askar! Askar! Yami Bale, la lingue la lobana bino boe. Chaque unité est à la commandant Nango. N'a insisté l'issue sur la divagation. Na lingi koyo kate, oh basoda bazana kintambo, basoda bazana lemba, basoda bazana soki wapi, soki ozana besoin à kobima, motomo kote a kope kisayon. Mais esengali ozua autorisation de sortie et pas ya commandant na yo. Commandant na yo ayeba oza wat, okei wat. Pendant combien de temps Naboy tenu Owana Kotambola partout Naboy. Et pour les jeunes, j'insiste, ceux qui ont la tenu Oyo, aux représentants Mokoziamboka.
ce qui ont libéré Oyo, béré Oyo et ça béré la garde républicaine. Raison pour laquelle, na cause à la tolérance, je vais châtier. Bah Oyo, bah qu'on se compromette. Aux en tenue, même pas en tenue, mais ok qu'on s'en va désordre en cité, la tracasserie, ma camoyandenge en dengue au règlement Pekissi, yéba que ta place n'est pas à la garde républicaine. Ça, c'est une information que nous avons fait à la garde républicaine Mobimba. Na Kibomango, na Outi Kolongola, au moins 8 jeunes, batouazan la formation, mais bah se retrouver dans la cité, pour tracasser la population. Yo, bandit dans le monde, la terre, on bandit des autres tracasseries. Si quoi, herbe, si quoi, on va couper sur ma responsabilité, on connaît quoi la population. Alors, on anticipe, vaut mieux batouan na Balongwa, en amont, pour éviter le problème. Est-ce que t'es au Kani? Est-ce que t'es au Kani? Sikoyo, na yebisa kibino. Mission na biso, boyebi yango, na korapele yango te. Mais na lingi, bolo babino moko devise, ya FRDC, na devise, ya garde républicaine. Devise, ya FRDC! Devise, ya FRDC! Devise FRDC. Devise la garde républicaine. Devise la garde républicaine. Devise la garde républicaine. Voir ses collaborateurs améliorer leur rendement en augmentant le nombre d'arrêts définitifs aussi bien devant la haute cour que les cours militaires. Il en est de même pour les jugements définitifs devant les tribunaux militaires de garnison implantés dans toute la République démocratique du Congo. Ceci pour établir avec satisfaction les statistiques annuelles des dossiers judiciaires traités au niveau du siège. Je souhaite que cette année, l'année 2022, nous puissions rendre beaucoup plus de décisions. Nous devons faire un effort pour remplir notre mission, augmenter le rendement, non seulement au niveau de la haute cour, mais aussi au niveau des cours et tribunaux, de manière à ce que lorsque nous établissons les statistiques annuelles, nous puissions constater qu'il y a une augmentation dans le rendement. Les hauts magistrats, magistrats des cours et tribunaux ainsi que le personnel d'appoint se sont réunis lundi 7 février 2022 à la parade générale tenue au siège de la haute cour militaire à Kinshasa-Gombe. Le premier président de cette cour, le lieutenant-général Mutombo Katalay Tiende Joseph, a rappelé à l'assistance les directives de la loi sur les missions assignées à la justice militaire. Le général Mutombo a fait allusion aux instructions données par le chef d'état-major général dernièrement lors de la parade mixte FRDC-PNC. À ce sujet, il a demandé aux hauts magistrats, magistrats des cours et tribunaux, de respecter la célérité requise dans le traitement des dossiers pendants devant les juridictions militaires.
au personnel d'appoint, le numéro 1 de la magistrature militaire du siège a évoqué la régularité au travail avant d'envisager des mesures disciplinaires permanentes. La politisme de l'armée et de la police, ainsi que les commentaires dans les réseaux sociaux par les militaires, ont été proscrits conformément aux dispositions contenues dans la Constitution. Il a terminé par recommander le respect des gestes barrières contre la pandémie de Covid-19 dans toutes les installations de la justice militaire. S'agissant, il n'y a pas magistrat. Soyons surtout que justice militaire est en particularité dans mot, en français, dans la province de la célérité. C'est-à-dire, ce qu'on suit dossier, pas pour ça, mais ça, il faut décision et demande à élément pour raisonnable. Mais il faudra pour constater que le dossier aussi, c'est ça pour vous, mais là, trop. C'est-à-dire, par exemple, en 2018, mais l'héros, nous avons en 2022, mais le dossier n'est pas toujours pendant. Alors que procédure est précise du saut par outils ont été pour permettre le tribunal de décider rapidement. Le dossier pendant un an et le timidi et Oumera. Mon sous-sous est même le dossier pendant, mais prévenu à la libre. Mais en ce moment-là, regret, problème on a rapide, au lieu pour renvoyer à tout moment, pour renvoyer fait par je dirais, faux prétexte, le cadavre et les timides. Il y a un dossier. L'auditeur général près la haute cour militaire, maître de l'action publique devant toutes les juridictions militaires établies en République démocratique du Congo, a effectué depuis mardi 1er février 2022, une tournée d'inspection judiciaire des parquets militaires établis sur la ville de Kinshasa. Le lieutenant général Likoul Yabakoumi Lucien René, auditeur général près la haute cour militaire, a débuté cette inspection par le parquet militaire détaché de Maloukou et puis celui de Kinkolé. Vendredi 4 février 2022, le chef de corps des magistrats du parquet et numéro 1 des auditorats militaires a poursuivi son périple aux auditorats militaires de garnison de Ndjili et de Matete avant de boucler l'inspection à l'auditorat militaire supérieur de Matete. La motivation profonde est de s'assurer à travers ce contrôle du bon fonctionnement des parquets militaires sur l'ensemble du territoire national. L'auditeur général, en sa qualité de maître de l'action publique, doit s'assurer du bon fonctionnement des parquets militaires sur l'ensemble du territoire national. Les submissions du législateur de contrôler et de surveiller les activités judiciaires des magistrats militaires relevant de son autorité. Il peut même exercer aux fonctions d'officier du ministère public près toutes les juridictions militaires sur toute l'étendue de la République. C'est pourquoi, à travers cette tournée, je tiens à m'assurer des conditions de travail des magistrats militaires du parquet, des conditions de détention des personnes arrêtées, de la régularité de détention, n'est-ce pas, de la manière de procéder dans le traitement de certains dossiers judiciaires. Je parle ici, je vise principalement les dossiers ayant trait aux violences sexuelles qui requièrent une certaine célérité dans l'instruction. Je voudrais également m'assurer du respect par les animateurs des auditorats militaires des valeurs morales et des principes déontologiques qui doivent guider leur action. Et les inspections me permettront également d'être mis au courant des difficultés d'ordre logistique, d'ordre matériel auxquelles les magistrats sont confrontés dans l'exercice de leur mission. L'objectif recherché également consistait à encourager les magistrats du parquet d'organiser, avec le concours de leurs collègues du siège, des audiences foraines pour que les témoins des faits en soient également les témoins de leur répression. Partout où il est passé, le général Koulia s'est dit très satisfait de la manière dont les magistrats, les inspecteurs et autres personnels d'appoint des auditorats militaires accomplissent leurs missions respectives. Oui, je suis vraiment satisfait. J'ai constaté que les consignes, les instructions données aux collaborateurs
sont bel et bien respectées. Quant à l'itinéraire suivi au sujet de la poursuite de sa tournée d'inspection, le calendrier de l'auditeur général près la haute cour militaire prévoit pour le mardi 8 février 2022 le contrôle des parquets militaires du ressort de l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa-Gombe, en l'occurrence le parquet militaire détaché de Mitendi, les auditorats militaires de garnison de Ngaliema et de la Gombe, ainsi que l'auditorat militaire supérieur de la Gombe. Quant à l'itinéraire à suivre après le Nord Kivu sous état de siège où je me suis rendu au mois de décembre dernier et l'auditorat supérieur de Matete que je viens de contrôler, je vais poursuivre l'inspection dans les jours qui viennent en procédant au contrôle de l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa-Gombe, des auditorats de la Gombe et de Ngaliema pour terminer enfin avec le parquet militaire détaché de Mitendi. Ça, c'est l'étape de Kinshasa. Et bien plus tard, nous pourrons éventuellement envisager la possibilité de nous rendre en province pour procéder au même exercice. Membres et tous les dépendants de militaires des différents pôles de camps militaires de la ville de Kinshasa ont reçu leur brevet de fin formation sur le renforcement des capacités sur l'entrepreneuriat et la gestion de petits commerces le samedi 29 janvier 2022. L'aumônerie protestante du camp lieutenant-colonel Kokolo avait servi de cadre à cette cérémonie. Cette formation organisée par l'Association de femmes entrepreneuses pour le développement du Congo AFEDEC avait pour objectif principal de faire des épouses de militaires et policiers les femmes entrepreneuses pour leur épanouissement et l'auto-prise en charge. Dans son monde des circonstances, la représentante de la ministre adjugée en famille et enfants, Madame Kamwanya Esther, a félicité la directrice de l'association pour cette formation et a encouragé les femmes entrepreneuses à continuer à mettre leur intelligence en œuvre pour la création d'une petite unité de production. Quant à la directrice de la FEDEC, Madame Wala Koyabiko Brigitte, elle a remercié tous les partenaires, particulièrement le ministère des gens, familles et enfants, pour leur soutien qu'ils ne cessent d'accorder à cette association, ainsi que la fondation Nanou Lola Sadiki, pour leur accompagnement durant cette formation qui vient de s'achever. Elle a aussi signalé que la FEDEC compte actuellement 3000 membres, dissimulés à travers tous les camps militaires de la ville province de Kinshasa. Madame Wala Koyabiko Brigitte, directrice de la FEDEC, s'est livrée devant notre caméra. Cette cérémonie avait connu la participation de plusieurs organisations non gouvernementales et structures de microcrédit.